Salut Arsfael, plus vite que la lumière, allez c'est parti. Bienvenue à vous en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va partir sur Destiny, hein. Je vais continuer bien sûr mon titan. Parce qu'il faut pas déconner. Salut Mickaël, comment vas-tu? Rendez-vous tous ou on mangera toutes les pâtisseries. Oh merde. Oh merde alors. Plus de pâtisserie. Ah, si tu me laisses une petite tarte au citron, moi ça me va. Bon, le téléphone il va pas commencer, hein, s'il vous plaît, merci. Comment allez-vous tous? Ouais, on va peut-être y aller, hein, à un moment donné. À un moment donné, faut aller sur la quête. Qu'est-ce qu'on a? A-t-il les niveaux 11 et terminé la mission sacrilège? J'adore la tarte au citron. Moi aussi, c'est mon dessert préféré. Sauf les chocolatines, parce que ça n'existe pas. Putain. Mais si, ça existe, Fortel! Mais si, ça existe, les chocolatines, arrêtez! C'est pas possible. On va aller faire quelques missions secondaires avant. Mais bien sûr que ça existe, les chocolatines. Arrêtez. C'est très bon. Si je fais les sablés pour KO, tu peux... que je t'en envoie aussi. Les sablés, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu viens de déballer le jeu, Mickaël, bah alors qu'est-ce que t'attends? Comment on fait maintenant? Merci de me répondre. Non, je t'ai répondu, Evilo, non? Je t'ai répondu il y a 30 secondes, il me semble. Ça va, Milo? Comment vas-tu? Bah, Mickaël, tu le dis, hein, si tu veux commencer, je passerai faire les quêtes avec toi, si tu veux. Y a pas de soucis, hein. J'ai un chasseur aussi à monter, si tu veux, après. Au pire, je me mets sur le chasseur et puis on pexe, hein. Un peu tard. Ouah, ça c'est subjectif, c'est relatif. J'avais pas le Discord sous les yeux au moment où tu m'as posé la question. J'y ai répondu quand je l'ai vu. C'est déjà bien. J'aurais pu pas te répondre aussi. T'as une mise à jour de 6 Go. Bon, ça se fait en 30 secondes, ça arrête. Avec Laura. Après, si tu veux pas venir jouer avec moi, Michael, hein, tu le dis aussi, hein, c'est pas un problème, je me débrouillerai tout seul. Salut tes cassettes, comment vas-tu? Eh oh, pourquoi il a un passereau lui? Moi j'en veux un. Me dis pas que c'est level 20 le passereau, putain c'est dégueulasse. Moi je veux une voiture. Donnez-moi un vaisseau. J'ai un vaisseau en bois pour me promener dans la planète et j'ai même pas un petit passereau quoi. Coucou! Comment vas-tu? Ça va? Ils sont où tes collègues là? Ah voilà. Tiens. Explose pour voir. Ah merci. C'est très généreux de ta part. Encore 6 minutes. T'étais sur R6, ah bah ouais, bah voilà. Non mais les mecs ils jouent à R6 aussi. Et après ça veut jouer avec moi sur Destiny. Non mais s'il vous plaît. Moi j'ai remarqué en démarrant ma console parce que on m'a offert un jeu. Alors par contre j'ai fait le con. On m'a proposé de tester un jeu sur mon site là et j'ai accepté. Sauf que j'ai pas bien lu la description du jeu. Parce qu'en fait c'est un jeu PlayStation qui s'appelle l'Ours Perdu. Donc ça c'est bien cool. Le problème c'est que l'Ours Perdu c'est sur la PlayStation VR. Et du coup, vu que j'ai pas la PlayStation VR, c'est compliqué. Oh merde! Putain, j'ai plus de grenade. Donc voilà, je vais voir s'il est jouable sans la VR du coup, mais ça va être un peu compliqué. D'un côté, je l'aurais. Bah oui. Ouais, mais je me suis dit, tu vas m'engueuler si je te réponds pas, donc je me suis dit, je vais lui répondre. Puis en fait, je me fais quand même engueuler. Bon, toi t'es gentil là, mais viens là, je vais te faire une manicure. Voilà, dégage. What's lost beer? Boum!
J'espère qu'il est quand même jouable sans la VR du coup. Ah bonjour, voilà c'est toi que je cherchais. Viens ici. Viens ici. Bonjour. Voilà. Une Dacia? Non, je veux pas une Dacia, c'est pas une voiture ça en plus. Alors déjà, je suis pas fan de Renault, alors si en plus tu me dis une Dacia, c'est pire. Parce que c'est pire que Renault Dacia. La PS4 prend la poussière. Bah ouais, Vilo, tu veux plus jouer avec nous. Je comprends, hein, après. Tu veux préférer jouer à WoW? Bah écoute, je peux rien pour toi. Hein. Je suis passé un coup de chiffon. Moi, il faudrait que je la démonte pour passer un coup de chiffon à l'intérieur, par contre. Parce que plus ça va, plus elle agonise, quoi. Non, sur le. Bah, justement, sur la clé, quand il me l'a offert, il y avait pas... c'était pas marqué VR, du coup. Je l'ai vu quand j'ai installé le code sur la console. Ça m'a mis PlayStation VR, donc j'ai fait. Ah merde! Du coup, c'est trop tard. Donc, je vais voir. Sinon, c'est pas grave, hein. Ils avaient qu'à regarder dans mon profil et ils auraient vu qu'il y avait pas marqué PlayStation VR dessus, hein. Donc, à un moment donné, ils offrent des clés et qu'ils ont qu'à se renseigner si j'ai le jeu compatible ou pas, quoi. Enfin, la console compatible. Arrêtez de me tirer dessus, bordel de merde! Pas possible ces gens-là. Oh le bat. Oh putain, j'ai cru qu'il m'avait tué, mais non. Ah putain, il y en a une deuxième! Merde, excuse-moi monsieur, j'arrive. Merde, merde, merde! Jouer à WoW. Bah ben ouais, on est d'accord, Arsfeld, jouer à WoW quoi. D'un côté, tu joues plus au jeu qu'on joue. Non, c'est toi qui joues pas au jeu que je joue. Bah ouais mais sur Ghost Recon y a rien. Ghost Recon Wildlands y a plus rien. J'attends la mise à jour mais pour l'instant elle sort pas. Sur R6 tu veux plus jouer. Et on joue à quoi d'autre? Oh putain c'est quoi ce petit flingue? C'est impossible. Voilà, merci. Oui, c'est pas de ma faute. Hein. Ils avaient qu'à le signaler. Bon, après, s'ils ont un problème, je leur dirai. Hein. Vous avez qu'à voir sur mon profil. Il y avait pas marqué PlayStation VR. Je vois pas pourquoi vous m'offrez un jeu PlayStation VR. Sinon, j'aurais mis dans mon profil PlayStation VR, du coup. Je l'aurais coché, bordel de merde. Ouais, bonjour. Voilà, merci. Vous, on s'en fout. Oh là là, cette ségrégation aussi des joueurs console et PC, quoi. C'est bien WoW. Ah, j'ai pas dit le contraire, hein. J'ai pas dit que c'était mal WoW, j'ai dit que c'était trop cher. Enfin, c'était pompe à fric. Activision, bonjour. Franchement, WoW, si c'était en free-to-play, j'y jouerais, hein. Alors pas aussi assidûment qu'avant quoi, mais j'y jouerais, mais là faut payer le jeu et en plus faut payer l'abonnement par mois, donc mes couilles à ski quoi. Vous êtes faible. Non, on n'est pas faible. Moi je vois pas l'intérêt de payer 12 euros par mois si c'est pas pour y jouer 24 heures sur 24. C'est tout, Dorbeo. Abandonné. Pas déconner. Moi je paye pas les choses pour pas que j'y joue, hein. En plus de ça, faut payer toutes les extensions que j'ai pas achetées. Bon, il y a que Légion, mais ça fait au moins 30 balles déjà. Plus l'abonnement. Non mais oh. Après, je fais comment pour vivre? Comment est-ce que je m'achète mon collecteur de Gran Turismo? Hein? Il va falloir que j'achète aussi, là. Je préfère payer 12 € par mois sur Humble Bundle. Ouais, bah ouais, voilà. Au moins, si sur Humble Bundle, tu payes 12 € mais t'as 150 € de jeu, quoi. Offert.
Ouais, mais alors attends, t'es caché, toi. Encore 15 gigas installés. Bon, ça va. Tu payes l'abo PS4 et les jeux PS4 que je sache. Oui, mais voilà. Mais en plus, faudrait que je paye à WoW en plus, tu vois. Du coup, ça fait beaucoup de choses à payer pour pas y jouer. Non mais oh. Ouais, parce que labo PS4, les jeux PS4, labo Xbox plus les jeux Xbox et en plus WoW. Non mais oh. Pas autre chose à foutre, non? T'as cru que j'étais riche? Captain America, bonjour. Ah putain, c'est ridicule quoi. Trop fragile le mec. C'est ça, ouais, il y a plein de jeux où tu payes pas d'abonnement que tu peux jouer. Regarde Tezo, moi franchement Tezo, je kiffe et il est gratuit. Enfin, il est gratuit, tu payes le jeu, mais voilà, tu joues en free to play quoi. Après, si tu veux payer l'abonnement, tu peux. Mais l'abonnement que tu payes sur Tezo, c'est pas du temps de jeu. C'est du cosmétique et de l'inventaire en plus, des trucs comme ça, quoi. Mais pas du contenu jovial. Juste plein de Twitch money dans le slip de North. Je vends pas de slip. Je ne supporte pas les slips. Ah, ça vaut, quoi. L'esquisse bidon. Mais non, c'est pas une esquisse bidon. Mais non. Bon, on a fini les quêtes ici, du coup. Impeccable. Impeccable. On s'attire d'ici, on va faire les quêtes de Nessos. Nessos. Bonjour. Ah, on est passé niveau 12. On a débloqué tous les talents, normalement, de la spec abyssale. Du coup, on va pouvoir passer peut-être avec la spec cryo pour la montée. On ne veut pas savoir si tu portes un slip ou pas. Ouais, ouais, non, mais je vais pas porter un slip. J'aime pas ça. Tu es pas convaincant. Mais si, je suis convaincant. C'est toi qui es pas convaincu, c'est tout. Les slips. C'est plus ma maman qui m'habille. Hein. Maintenant, je m'habille tout seul. D'ailleurs, oui, oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai rien fait, c'est pas moi. Oh non, mais je pouvais toujours, il faut le faire. Faites chier. Putain, mais ils veulent que je joue au revolver, quoi. Lance-croquette. Double revolver. Ouais, mais le principal, je vais pas jouer au revolver. Hein. Il m'a saoulé l'autre. Je veux pas savoir ce que tu portes. Pourquoi? Vous dormirez mieux sans que si vous le savez. C'est tout. Oh, c'est cool. Je suis un dôme. Je suis un dôme indestructible. Ah. Ah ouais, mais du coup, c'est plus le coup de bouclier, là. Là, on passe en défenseur le tank, quoi. Là, on retrouve la bibule du def, quoi. Ah ouais. Captain America, c'était mieux, non? Vu que je joue solo pour l'instant. Ça, c'est pour jouer en instance ou en raid, plutôt, quoi. Ok. Bon, bah, du coup, vu qu'on a tout débloqué, on va passer en cryo. Hein.
Ah mais ils sont déjà débloqués ceux-là. Ah ça c'est cool. Ah ouais du coup ça... En fait ce que tu débloques dans toute la spé que t'as fait avant, ça le débloque aussi dans les autres spé. Ça c'est bien cool parce que comme ça t'as pas à t'emmerder à monter... À monter tes trucs quoi. Cool. On va prendre celle-ci par contre. Le lance-croquette, ça finit en pur. Attention. dis-moi quel jeu veux-tu que je joue? Bah, je sais pas, Evilo. Moi, je t'attends sur, sur Friday. Hein, avec Technop, on t'attend. Hein. Ah non, ça le débloque pas. Ah merde. Alors du coup... Votre arme améliore sa stabilité, ça peut être cool. Ah ça c'est cool, on va jouer comme ça. On va jouer avec ce côté-là. À tous les membres de l'équipage, des cabales sont en approche pour opération d'acquisition de ressources. Ouais, on va jouer avec ce côté-là. Pourquoi point d'amélioration j'en... Ah ouais j'en ai pas, merde. Bah du coup on va jouer. Comme ça. On va jouer comme ça. YOLO! Je sais pas pourquoi je regarde en bas. Ah, t'es obligé de regarder en bas en fait. La caméra remontait pas. Assez développé, ils ont annoncé une mise à jour avec nouvelle map, nouveau Jason qui devrait pas tarder à sortir et elle s'affiche justement pour ceux qui ont acheté le jeu avant sa sortie. Du coup, un bouclier impénétrable. Bonsoir. Faut que je bute des Vex. Ok, laissez-moi des Vex, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas très gentil ce que vous avez fait. Oh putain. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il faut là? Non! Pousse! J'y suis pour rien! Meurs! J'ai pas compris là ce qu'il fallait faire. Faut juste les empêcher de d'attaquer le truc. Ah oui, faut être dans la... Ah d'accord. Faut être dans la zone pour faire progresser le piratage de l'atterrisseur. Ok. Ok, pas de problème. Vu que tu boudes R6. Oh putain, je vais mourir. Je boude pas R6, hein, c'est juste que si j'y joue pas avec vous, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et vu que Palestinez maintenant fait de la compétition, je vois pas l'intérêt d'y jouer, quoi, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Moi je joue clairement pas R6 pour mon rank ou pour gagner des saucisses quoi, je m'en fous complètement. Moi je joue pour m'amuser, alors si c'est pour me faire chier sur le jeu, j'en vois pas l'intérêt quoi. Oh! Oh le bâtard! La connexion de merde que j'ai pour 60€ et même pas un mégabit pour ce jeu. Oh, plus cher. Ouais, ça veut rien dire, Faucon Noir. Ça, malheureusement, c'est pas que free. Hein, ça dépend de ta région en fait, hein, c'est surtout ça quoi. Ça dépend de ta région, ça dépend où t'es placé et chaque opérateur
ça sera de la merde quelque part, alors que chez moi, par exemple, regarde, moi chez moi, Orange, bah c'est les bestes. Et pourtant, dans certaines villes, Orange c'est de la grosse merde. Ça dépend vraiment de ta région et des couvertures réseau que t'as, quoi, malheureusement. C'est le réseau tout entier français qui est de la merde. Oh, cette grenade que je viens de lui envoyer dans la tête à lui. Eh oh, tu t'es calmé, toi. Oh, t'es orange, toi. Bonjour. T'es mort. Mais what? J'ai encore pris une greu. Merci Jean-Michel. C'est très généreux. C'était le mien. Était décédé. Voilà. Bon, ça c'est fait. Il est où le coffre? Non, parce que combien de fois je suis parti, j'ai fait le truc et je me suis barré sans le coffre, hein. D'un côté, comme tu veux, avec toi, si tu décides à la dernière minute. Là, par contre, je. Oui, j'avoue que l'argument est. Est tenace. Oui, sur celui-là, je te l'accorde. J'avoue. Encore heureux que Jean-Michel est toujours là. Mais ouais, mais ouais. Ne me faites pas tomber. Ah merde, j'ai plus de grenade. Ah, je crois qu'il y a le gros Golgoth qui est derrière moi. C'est ça, bonjour. Comment allez-vous? Pousse! Allez, faites les malins! Allez! 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 Ah oui, non! Attends! Bouge pas, pousse! Il va me tuer, ce con. Oh putain, j'avais loupé un loot là. L'argument est tenace. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué, je parle pas français. C'est pareil, tenace, valide. Je vois pas la différence. Salut Aaron, comment vas-tu? C'est bon, Mickaël, t'es prête? Je finis la quête du coup et je te coupe. Tu résistes pas à ma croquette. Je détecte d'autres pics. Nous devrions les collecter pour les analyser. Nous découvrirons peut-être comment ils les produisent. Je te soutiens sur le coup. Mais non, mais oui, on en avait parlé en plus, Arsfel, à propos du planning. C'est avant, j'avais un planning, mais je peux plus, quoi. Je peux. Parce qu'en fait, des fois, tu prévois un truc pour la semaine, mais arrivé le jour de la semaine, t'as pas envie d'y jouer, en fait. Du coup, maintenant, quand il n'y a pas de planning, eh ben, je fais qu'est-ce que je veux. Et là, je suis tranquille. Non, mais après, par contre, Evilo, si vraiment tu veux qu'on joue ensemble, tu me le dis. Hein, je fais comme avec Technop. Hein, je réserve une soirée et on fait ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on se fasse un petit Ghost Recon à un moment donné, tu me le dis. Hein. Bon, je viens de l'enlever de ma console, mais je le retéléchargerai, c'est pas un problème. Il n'y a que 60 Go à faire. Ça prendrait une demi-heure. Ne dis pas qu'on joue pas avec lui. Eh, c'est pas moi qui dis que vous jouez pas avec moi. Oh, calmez-vous. Comme toi, fatigué. Ah, ah voilà, tu me comprends alors, Iron. Il a qu'à dormir aussi jusqu'à 4 h. Alors, pour ma défense, j'ai pas joué jusqu'à 4 h du mat, puisque j'ai arrêté de jouer était minuit et demi, je crois. Ensuite, voilà, je me suis pas couché, mais j'ai pas joué. Tu vas tenir ce soir? Ah oui, non, mais moi je tiens, hein. C'est pas un problème.
c'est pas un souci. Je dormirai demain matin. Capitaine abandonné. Bon, par contre, je suis désolé, Mickaël, mais je crois que cette mission est hyper longue. Donc, au pire, tu peux déjà commencer et je te rejoins en cours de route. Ah, il va pas monter jusqu'en haut, le bâtard. T'es sérieux? Arrêtez de me tirer dessus, là. C'est pas possible, ces gens-là. Pas super accueillants dans cette planète, hein. C'est quoi ce double saut là de merde? Faut que je repasse Abyssal pour avoir le double saut correct là. Ah, il va jamais monter jusque là-bas non plus. C'est la merde. Où est-ce qu'il est déjà le truc? Ah oui, il est juste au-dessus de ma gueule en plus. Ça marchera pas comme ça. Et si on tentait d'aller en haut déjà? Ça serait peut-être plus simple. Pauvre Kaori, tu vas la tuer de fatigue. Ah non mais... ne la plaignez pas, sérieusement, c'est pas moi. Non mais... Attention, remettons les choses dans le contexte. Ce n'est absolument pas moi qui empêche Kaori de dormir. C'est elle qui a décidé de se coucher à 5h du mat, c'est pas moi. Je lui ai dit, moi, à 2h du matin, commence pas ça, tu vas finir à 5h du mat encore. Elle m'a pas écouté, bah voilà. Non mais... c'est pas de ma faute là-dessus. Je n'y suis pour rien. C'est ça. Voilà, merci Arsfeld. Merci, merci. Ce n'est absolument pas moi. Bonjour. Non mais oh, à chaque fois c'est Nours. Non mais c'est pas possible, c'est une connerie. Arrêtez! Arrêtez de me tirer dessus, bordel! Ah putain, oh putain, tu m'as fait mal toi par contre. Arrête. Non! Tombe pas! Jean-Michel. Vas-y, tais-toi. Elle t'oblige à te traîner avec des belges, tout ça, incroyable. J'avoue. Je vous. Non, alors ça par contre, ouais, on va rétablir la vérité aussi. C'est vrai que j'aime pas trop les Belges, mais vous êtes quand même mes préférés dans le lot. Allez, je vous accorde ça. Lyon, c'est pas ce qu'on lit dans le Discord. Oui, bah bien sûr, tu lis ce que Mekaori, bah bien sûr. Ah oui, si tu lis ce que Mekaori, bah bien sûr. Non mais on va pas s'accuser toute seule, hein. Elle préfère m'accuser moi. Ah merde, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Ah ouais, non, c'est en haut, putain. Mais arrêtez de me tirer dessus, bordel, putain, mais... Je suis gentil, moi. Ok, c'est pas par là non plus. Quoi? Vous voulez me rendre belge? Ah ça, par contre, ça marchera pas, ça. Alors ça, impossible. Mes parents ont essayé de me rendre portugais, donc ils ont essayé, hein, et pourtant c'est mes parents. Hein. Arrêtez! Hop là! Hop là! T'es mort! Merde, je suis tombé. Putain, mais l'IA, elle est trop bien, j'adore.
Il a dit qu'on était ses préférés. Ah mais ça c'est pareil, hein, faut l'enregistrer, Ilin. Hein. Sinon vous avez pas de preuve. Hein. Déjà que le screen de Kaori pour moi c'est pas une preuve, c'est du Photoshop. Je l'ai dit aussi. Non 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 non. J'ai dit je dis rien. Je dis rien. C'est pas pareil. J'ai voilà. J'ai pas affirmé ou désinformé. Mais non non. Je dis rien. Je préfère rien dire plutôt que d'accuser. Non mais oh, de rétablir la vérité. Je suis gentleman avant tout. Merde. Ah oh, merde non. Non mais non. Mais il fallait pas clipper ça. Ah ouais non mais Evilo, j'étais insurgé, c'est pour ça que j'ai mis je ne préfère non j'ai mis quoi? Je préfère ne rien dire, j'ai mis ça, je crois que j'ai mis ça. Je préfère ne rien dire. Voilà. Pour pas accabler Kaori justement, parce que je suis un garçon gentil. Malgré ce que tu penses Evilo. Je suis très gentil. Pas vous que je cherche, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Barrez-vous. Putain, il est où quoi? Merde, 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 merde. C'est trop tard. C'est trop tard. Putain, il est où ce bâtard? Ok, il est là-bas. J'arrive! Je garde pour la postérité. Mais oui, je suis gentil, moi. Merde. Bien sûr que je suis gentil, Vilo. Tu me crois pas? Je suis le plus gentil du monde. C'est moi le plus gentil. Ah bah très bien, t'as bien fait de te mettre là toi. Impeccable. Ah non par contre faut mourir. Ah non non par contre faut mourir monsieur. Oh, merde, la grenade très bien placée. Calmez-vous. Ah non mais le lance-croquette il est magnifique. Ah il y a un laps de temps, il prend pas de dégâts. Il gaspille des balles pour rien. Je sais pas, ça doit être une blague à mon avis, il doit y avoir le système de... Tu n'obtiens pas de munitions pour l'arme que tu utilises.
tout ça pour que je joue au revolver. C'est inadmettable. Inadmettable. C'est bon là? Ah yes. Putain, il est en haut, c'est ça? C'est ça qu'il est en train de me dire? Oh le bâtard. Ok, attends, j'arrive pas. J'arrive! Mais laissez-moi pousser, rentrer, monter, sauter, ce que vous voulez quoi. Qui c'est qui a mis des cailloux partout aussi quoi, sérieusement? Voilà, merci. Tu veux une médaille? Ah oui, j'aimerais bien. Merci. C'est heureusement proposé. Mais ouais, ce jeu de merde quoi. C'est. Mais dans tous les jeux, hein. Dans tous les jeux, c'est comme ça. Non. Dans les jeux de moto, j'aime pas Ducati. Et ben dans tous les jeux de moto, on va me proposer d'aller chez Ducati quoi, à chaque fois. Ah d'accord, j'étais bloqué. Très bien. Mériterait la purge, mais carrément. Carrément, on devrait purger tout le monde. Tu peux te dessiner une médaille, c'est dit. Non, je veux une vraie médaille. Moi, je veux que le président de la République m'octroie la Légion d'honneur. Ce serait juste normal. Je comprends pas le double saut pour l'instant du. De l'assaillant, mais un jour peut-être. Du coup, Michael, c'est bon? C'est le mal Ducati comme bizarre, mais carrément. Non, mais Ducati, c'est bien pour passer la tondeuse, voilà, pour défricher tes arbustes ou comme ça, c'est pas mal en outil de jardinage Ducati, mais c'est pas des motos quoi. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Soit t'es motard, soit t'es pas motard. Heureux ou pas, je sais pas. Ok, Milo, tout. T'es prête, Michael? Oh, mais putain, mais encore un revolver, mais foutez de ma gueule, sérieusement. À un moment donné, faut rater les conneries, quoi. 131. Peut-être un jour, je ne sais pas. Allez, on se décorer, la France sera enfin un grand pays, mais carrément. Mais alors là, carrément. Putain, 65 000 lumens, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Merde. De plafond. Ouais, je vais y arriver un jour. Comment je t'invite déjà, Michael? Je ne sais plus, je ne sais plus. Oh, peut-être que je peux pas ici. Peut-être répertoire. Répertoire. Ah, t'es pas en ligne, Michael, en plus. Faut se mettre en ligne, monsieur. T'es dans le prologue? Ok, d'accord. Bah, tu me dis quand t'es dispo, du coup. Et tu te mettras en ligne aussi. Merci. Donde está? Donde estoy? S'il vous plaît, merci. Bah bien, tu es où moi? Où est-ce que j'habite? Ah, je suis là. On va aller par là du coup. Ah, je pourrais pas remonter. Si. Je suis un vrai petit Yamakasi. Ouais, alors attends avant de le faire. Ah si, normalement tu peux tes subs. Alors essaye, mais sinon je te mets une permit. Alors si j'écris sur le chat par contre ça sera mieux.
Ah bah ouais, c'est bon, ça passe. Eh oh, tu te calmes toi, j'ai 10 pouces. Normalement les subs sont pas TO par le bot. Et normalement Eileen c'est pareil, je l'ai reconfiguré du coup, tu te feras pas TO non plus si tu, si tu mets des majuscules, t'inquiète pas. Tellement intouchable en tant que ça. Mais ouais, mais carrément. Sur le safe. Par où commençons-nous? Les Vex qui se trouvent à proximité auront les données dont j'ai besoin. Oui. Ah, ça marche. Je l'ai bien configuré du coup. Récupérer un morceau de données Vex. Ok. Les petits Vex sounés. Ok, c'est pas sur eux. Non, non, le loot. Reviens. Je te veux, merci. Ok, c'est pas sur eux. Pas sur eux. Arrête d'en tuer, c'est pas eux. Vas-y, ta bouche. Ah ouais, mais si vous mettez que des Vex comme ça et que c'est pas sur eux, on est dans la merde, monsieur. Ah si, c'est bon. C'est level 20 max en fait, du coup j'ai appris que niveau max c'était 20. Comme le premier en tout cas. Donc on est déjà niveau 12. L'équipage qui a disparu, à quoi ressemble-t-il ? L'un était savant et philosophe, l'autre ingénieur. S'ils sont dans le coin, nous les trouvons. Savant et philosophe en même temps, c'est compatible ça ? Un savant fou ? Arrêtez de me tirer dessus. Tu le sens bien le endgame, beaucoup de gens ont déjà fini l'histoire. Ouais, alors apparemment les missions histoire ont plu. Qu'est-ce que je dois faire? Progression du piratage. Ah ouais, d'accord. Les missions histoire ont beaucoup plu. Moi personnellement, bah, j'ai déjà recommencé un deuxième perso qui est déjà niveau 12 aussi. Donc ça me dérange pas trop, toi, de jouer. Après, ouais, je vais voir sur la fin, quoi. Après, ce qu'il faudra faire, justement, une fois level 20 pour te stuffer, si c'est super répétitif ou pas. Je verrai à ce moment-là. Mais apparemment, il y a du loot. Moi, ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les gens qui, que je suis qui jouent à Destiny. C'est qu'il y en a qui ont beaucoup de chance. Ah merde, c'est un joueur. Il y en a qui ont beaucoup de chance sur les exos. Il y en a qui ont beaucoup moins de chance. Donc du coup, voilà, je sais pas. Apparemment, il est mieux. Hein. Même l'avis de jeuxvideo.com dessus a été plutôt satisfait. On va dire, je crois qu'ils lui ont mis un 17, je crois. 17 sur 20. Bon, après, c'est jeuxvideo.com. Je crois qu'ils mettent 17 sur 20 à tous les bons jeux. Mais... ils ont bien dit qu'il était beaucoup mieux que le premier, qu'il était beaucoup mieux réalisé, beaucoup mieux fini et beaucoup mieux fait, beaucoup mieux pensé. Donc ouais, ça promet de bonnes choses, on verra. Du coup, peut-être que j'achèterai le DLC, enfin les DLC, s'il y en a un jour. Ou le Season Pass plutôt, peut-être. Hop là! Oh, c'est une grenade de l'enfer. C'est tous suicidés. Et pourquoi tu m'aides, toi? Je comprends pas. Tu fais la même mission que moi, Jean-Michel Vin, là? Ou tu fais une autre mission à côté et du coup, tu me files un coup de main quand même? Ah, par contre, des munitions, m'en donner, faudrait peut-être m'en donner, quoi. Capitaine abandonné. Ah, mission ici. Merci. Pas beaucoup, mais...
Capitaine abandonné. Bah c'est qu'est-ce que je fais, hein, messieurs, dames, mais... Mais j'ai rien, quoi. Ah, c'est bon. Faut que je passe dessus, ok, d'accord. Super encore. Waouh. Ok. Tu vas la mettre en tête de chanson. C'est bien fait. Hein? Parce que je me souviens encore de Despacito. Merde. S'il vous plaît. Arrêtez avec Despacito. La semaine dernière, j'ai eu le malheur de cliquer sur une vidéo et je suis tombé sur un Despacito cover. Et merde quoi. Maintenant, j'en ai plein mes recommandations YouTube. C'est pire que le mal. Bon, sérieusement, je vais chercher où, moi, les boules? Ah, je tombe. Au secours. Merci, généreux. J'ai survécu, ouais, j'ai survécu, malheureusement. Mais en fait, la musique en soi est pas si pire que ça, on va dire. C'est juste que bah tu l'entends trop, quoi. À un moment donné, trop, c'est trop. Hein? Autrement, la musique est pas si dégueulasse, hein. Même que je suis assez fan de reggaeton, tout ça, je vais pas dans le beau côté. Mais voilà, à un moment donné, quand tu l'entends 157 000 fois en une heure, voilà quoi. Mais comment tu montes sérieusement quand tu tombes? Il pense pas aux gens qui tombent peut-être. Ah putain, j'ai fait le con. Encore une histoire de boule, mais ouais putain. C'est trop récurrent ces derniers temps. Faut arrêter. Faut arrêter ces conneries. YOLO! J'y arriverai jamais! Oh putain. Est-ce que monter par là serait pas plus simple? Non, mais j'ai pas le temps de faire le truc, arrêtez. Ah, prendre une maille de données. Allez. Ah, c'est ça ici, faut récupérer ces merdes là pour la réputation, ok. Ok. Merci de me l'avoir dit, c'est gentil. Oh, et puis il est trop loin, il y a 100 mètres. Oh là, je vais retomber. Arrête tes conneries, Jean-Michel. Putain, mais ça va être chiant. Ça va être le puzzle le plus chiant. On a passé une minute dans une heure pour la coûter 157 millions de fois, mais si. Tu fais pas d'effort aussi, Eline. Tu écoutes sur deux plateformes en même temps, après à un moment donné, voilà, faut faire un effort. Ok, alors faut que j'aille où? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille sur ces fucking plateformes? J'ai eu tellement peur et je me suis planté. Mais déjà, il y en a une à côté de moi. Pourquoi j'irai pas sur celle qui est à côté de moi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ça serait pas mal. Non,
mais j'ai pas de skill plateforme. Sur le premier, c'était le troisième raid, je crois, Oryx. C'était sur Oryx. Il y avait justement des jeux de plateforme aussi comme ça où. Bâtard, on se réflexe. Reflex. Il y avait des jeux de plateforme comme ça où tu avais des plateformes qui disparaissaient et voilà. Ou alors des vaisseaux aussi. Hein. Fallait que tu traverses une salle en étant sur des vaisseaux, sinon tu tombais dans l'espace intersidéral. Et ben, j'étais pas doué. J'étais pas doué. Je suis trop vieux pour avoir des réflexes. Votre équipage manquant. Pourquoi sont-ils partis? Ils ont désapprouvé les décisions du capitaine Jacobson et ils ont décidé de partir. Mon programme de résolution des conflits n'a rien pu faire. Donc je leur ai donné les provisions que j'ai pu, bien plus que le montant requis. Je savais qu'ils seraient Hop là, c'est ici. vulnérables à l'extérieur, mais je n'ai rien pu faire pour Ah non, changer c'est leur pas du sort. tout ça. Déjà, moi, ce qui me plaît beaucoup par rapport au 1 et qui me faisait beaucoup chier dans le 1 d'ailleurs, parce que je ne le faisais pas du coup à force, c'est justement ces missions secondaires-là. Dans le 1, elles étaient nulles. C'était complètement nul, c'était pratiquement tout le temps les mêmes et c'était juste chiant à faire. Là, au moins, elles sont vraiment comme si c'était une vraie mission en fait. Elles sont bien dures et au moins il y a du loot intéressant parce que dans l'autre, c'était vraiment de la dope quoi. Et là, du coup, ça devient intéressant. Donc là, déjà, là-dessus, ils ont fait un gros effort et moi, je suis assez content. Arrêtez. Merde, je suis tombé. Arrêtez. Bonjour, monsieur. Mais arrêtez de me tirer dessus, bordel. Je vais mourir à force. La jeunesse est dans la tête. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais des fois le matin quand je me lève, je la ressens bien. Elles sont bien dures, je crois que nous avons été trop con. Oh, c'est pas bien ça, Eileen, hein. D'avoir les idées déplacées comme ça dans mes hauts. Après, on va encore dire que c'est moi. Pousse. Ah! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis derrière mon mur! Hein? Oh putain. Ok, pousse. Non, mais d'accord, tu veux jouer avec mes croquettes? Eh ben, on va jouer avec les croquettes, c'est pas un problème. Ah, attendez, j'ai plus de mur. Pardon. Oh mon gars, t'es trop fragile. Toujours aucun signe de l'équipage, on continue à chercher. L'arthrite, les genoux qui craquent. C'est ça. Bon, les genoux qui craquent, ça va. Bon, après, les genoux qui craquent, moi, c'est depuis que je suis petit, parce que je me suis explosé le cartilage du genou, mais... Donc, en fait, j'ai des petits bouts de cartilage qui se promènent entre ma rotule et mon ménisque. Donc, c'est génial. Mais non, non, pas l'arthrite encore. Mais mal au dos, ouais. Ah, mal au dos, putain. Oh là 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 là. Quand je dors mal, les lombaires. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles en prennent dans la gueule? C'est la faute de Kaori? Bah voilà. Tout à fait. C'est de sa faute. On lui dira. On est d'accord, c'est la faute de Kaori. Voilà, on lui dira. Elle nous pervertit. Oh putain, lui il explose lui. C'est pas gentil ça, hein, monsieur.
de ça. Merci de mourir. Je reçois un signal de détresse très faible. C'est ancien. C'est ancien. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ah, ça pique. Ça pique réellement. Hernie discale en plus. Je sais pas la douleur que ça fait, j'ai pas envie de le savoir, désolé. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est en haut, c'est pas ici. Mais je sais que ça fait mal parce que c'est, je crois que c'est mon oncle. Ouais, ça doit être mon oncle qu'on a eu une et je sais qu'il a douillé sa race. Yeah, mon hernie à moi, même si j'ai pas vieilli. Ah bah jour. Avec Kron, je cumule. Alors, ça par contre, c'est moins drôle, Kron. J'ai une cousine qui l'a aussi, la maladie de Kron, et... Ça, c'est pas drôle. Mais ouais, faut cumuler. Moi, je suis juste asthmatique. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, j'avais un petit peu de diabète, ouais. De diabète, mais c'est fini. Donc ça va, c'est cool. Mais voilà. XP de clan, ouais. Bon, d'ailleurs, Mickaël, faut que tu rejoignes mon clan. Hein. Faut qu'on le fasse pex, mon clan, non mais oh. Ouais, tu m'étonnes. L'équipe devrait casser, c'est ça. C'est exactement ça. Merde. Je voulais pas faire ça. Ok, je suis là. On peut aller faire cette quête, du coup. Putain, mais il a encore beaucoup. Putain, il a encore... 5. Ah ouais, merde. Surtout, je sais pas si les quêtes se resettent pas tous les jours, en fait. Et du coup, demain, j'en aurai d'autres à faire, et les mêmes. Oh, on s'y habitue, hein. On s'y habitue à être asthmatique. Tu sais, j'ai fumé pendant très très longtemps, alors que j'étais asthmatique. Ça va pas empêcher. Hein. Le plus chiant, c'est quand tu veux faire du sport, du coup, quoi. Le manque d'endurance, tout ça, c'est bien relou. Mais après, après, on s'y habitue. J'ai pas été non plus dans l'hardcore de l'asthmatique, parce que j'avais un cousin aussi qui était asthmatique, et lui, par contre, faisait des crises à un point d'aller à l'hôpital carrément et tout. Moi, je touche ma tête, comme dirait ma mère. J'ai jamais fait de crise, mais c'est bien relou l'asthmatique. Ouais, alors non, parce que mierda c'est pas en portugais, tu dis pas mierda en portugais. Dans ce cas-là, en portugais, Mikirel pourra me le confirmer normalement, mais normalement dans ce cas-là, au lieu de dire merde en portugais, tu dirais plutôt fodas. Tu vois, c'est plus ce mot-là qui ressort souvent en portugais. Fos caray. C'est comme ça qu'on dit. C'est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Entrer dans la grotte, je pense que c'est dans la grotte, c'est ici. Ah bah jour. Quoi? On va s'évader de prison? Oh putain. On va jouer à Prison Break? J'ai pas le temps. Mon esprit. Oh putain.
Oh, calmez-vous, c'est bon, j'ai compris. Pas tous en même temps. Je vais tous vous tuer, vous inquiétez pas. Putain, il y en a deux. Il y a deux Minotaures. L'autre, il est caché là-bas, là. Regardez-moi ce bâtard, il a refait son bouclier, là. Non, non, mais c'est bon, voilà. À un moment donné, on va se calmer. Voilà. On décède de décédence. Voilà, merci. Des munitions, s'il vous plaît, quoi. À un moment donné, vous en donnez ou pas? J'en ai pas dit qu'il dit souvent ça. Mais oui, c'est normal. C'est normal. C'est comme si, ouais, c'est comme si tu disais putain en français, quoi. C'est ce qui revient très souvent. Merde, t'es là. Ne te cache pas. Merci. Très loin en dessous. Mais pourquoi? Bah oui. Allez, on rend d'oignons, s'il vous plaît, merci. C'est très généreux de votre part. Ah, attends, les pouces. Ah ouais, non, mais là, ça va pas être possible. Au revolver, ça va pas être possible, messieurs, dames. J'y décède. Coucou! Ah non, attends, je vais pas te tuer toi parce que j'ai plus de balles. Et tu vas m'ouvrir une autre prison et j'aime pas ça. On va attendre 30 secondes avant de te tuer que je récupère des munes. Putain, mais y a personne qui m'a lâché des munes, vous êtes sérieux? Ah si, là. Putain, mais ça lâche pas, ça lâche pas! Un raid en Fortnite. Ouais. Oh putain, il est gros lui. Exact, j'ai pas fait le rapprochement, tu vois, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, mais. Mais exact, ouais. Attends, bouge pas. Ah ouais, je suis pas fan du tout. Non! Cadeau. Oh putain, mais vous êtes là, vous, bonjour. Ah, j'ai plus de mine, merci.
Oh putain, mais il est encore là, lui. Aïe! Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Je suis gentil. Mur! Oui! J'ai un mur, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis portugais, moi, mon gars. Oh, oh. Ah putain, mais il y en a deux, mais vous êtes sérieux? Il est full vie, le gars. Ah, bonjour. Par contre, la BO est juste géniale. J'ai trouvé une chaîne YouTube où ils ont mis la BO entière du jeu. Je l'ai un peu écoutée, elle est vraiment cool, quoi. Ouais, à un moment donné, on va y aller à la croquette parce que... Captain America et Hulk Smash Éclair, c'est ça. J'attends de voir le... La doctrine feu, du coup. Ah merde. Il s'enfuit. Non, je ne vais pas me rire, je m'en vais. J'attends de voir la doctrine feu pour voir ce que ça donne avec le coup de marteau, du coup. Pour faire tort à la place. Bon, le tort, tort de feu, mais... Mais ça risque d'être rigolo. 131. Ouais, pour gagner un point. 135. Ah, alors ça par contre, on va pouvoir démonter celui-ci du coup. Pourquoi j'ai gardé ça, moi? Comme ça, j'ai les 3 plus l'épée. Impeccable. Ce qui est bien aussi, par contre, aussi, j'ai vu ça, et ça, c'est plutôt cool, d'ailleurs, c'est que tous les inventaires sont liés. Donc, du coup, ce que j'ai récupéré en pexant mon arcaniste à côté, et ben, je peux le transférer. C'est transféré directement sur mon inventaire, ici. Et du coup, je vais pouvoir monter mes réputations avec mon titan plus rapidement. Ça, c'est le mur portugais. Non. Mais non. Et merde. Ils ont dit à ce groupe qu'ils pouvaient s'en tuer et que le dernier survivant serait libéré. Libéré. Délivré. Leur loyauté est admirable. Yes, oui, portugais. Il est monté les murs et il vous met des coups de truelch dans la gorge. Ah mon dieu. C'est pas où la sortie? Peut-être plus simple de faire ça. Comme tu es le purgeur, c'est ça. Tu aimes vivre avec le risque. Bah celle-ci elle est pas loin d'ici, du coup on va faire celle-ci. Ah et par contre attends, celle-ci on l'a fait au tout début, c'est la même qu'on a fait en premier, non? Elles ont respawn. Ah non, elle est plus loin. Ouais, c'est la première, on l'a fait là. C'est pas la même. New. Donnez-moi ça.
Ok. C'est par où la mer? C'est ça là? C'est ces conneries qu'il faut que j'aille chercher là? Vous êtes sérieux? Tu veux arrêter toi? La stabilité zéro! Faut que j'aille chercher ces conneries là, vous êtes sérieux? Je vais me casser la gueule! Après mon titre est quand même moins classe. Non mais je comprends, hein, je l'ai fait sur un. Sur une rediff de. D'un live de Kaori pendant 4 heures. Enfin. Sur un live de 4 heures, je l'ai fait. Je crois que j'ai fait une trentaine de clips. Et je lui ai fait une compile ensuite. Les plateformes sont chargées. C'est de la dissuasion ou une expérience? Oh putain, non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Ah, voilà, ça a désactivé la dernière. Ah merde, tu peux rester assez longtemps sur l'autre. Quel con. Il peut faire aussi peur. Ouais, bah... Oh putain, merde. Aïe, ouïe, arrêtez, ça pique. Aïe, aïe, ouïe. Bah ouais, en fait, j'ai vu son live, ça m'avait éclaté, mais malheureusement, j'avais pas pu rester ou j'étais pas là tout entier. Du coup, j'ai dit, bah, je te ferai des clips, mais... Mais je les ai fait après en rediff, j'ai passé un peu de temps. Et le tout premier best-of que je lui ai fait, c'est que sur un live de Left 4 Dead, je crois. Il me sort... Oh putain, mais faut pas que je reste là, moi, en fait. Ok... On va remonter là-bas. Mais du coup, ce que tu as fait ce soir, enfin, les clips que tu as fait ce soir, finiront dans le best-of du mois de septembre, hein, qui sera disponible en octobre d'ailleurs. Mais je les prendrai et... Ah les bâtards! Ah les bâtards! Ouais, mais à un moment donné. Voilà, merci. Et oh, on va se calmer les Vex là? Non, non, menteur. Rien. Oh, il marche pas celle-ci. Arnaque! Ah non, mais c'est juste pour récupérer les... Ok, d'accord. Aïe, oui. Ah, je me meurs. Cadeau. Aïe, aïe, oui. Arrêtez. Ça pique. Ah, mur. Aïe, Ram me ready. Ok, je finis, Michael, et j'arrive. What? Barrez-vous au cours de mime! Comment ça, Ellie n'avait pas follow? Comment ça? Ah, on peut pas tirer à travers le mur, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils font du bon matériel quand même, les Portugais? C'est costaud ces murs. Ah putain. Pousse! Et eh ben merci pour le follow, sauf si c'est un bug.
c'est... Ah, d'accord, ok, alors ouais, c'est le bot, ça. Enfin, c'est le bot, ça c'est Tipeee Stream qui est en PLS, à mon avis. Il y a un bouton ou comment ça se déroule? Ah, bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Oui, parce qu'avant, avant je streamais aussi sur YouTube en même temps. Et du coup, j'avais les doubles alertes. Laissez-moi tranquille. J'avais les doubles alertes, donc du coup, à mon avis, c'est Tipeee Stream qui se tape un délire. Ah, bonjour, ça va bien? Merci. Laissez-moi tranquille, merci. Hop là. Eh ben écoute, merci, merci à toi d'avoir follow ma chaîne YouTube, hein. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Bah oui, moi j'en veux pas de leur aide. Salut Cobralinf, excuse-moi, je t'ai zappé totalement. Comment vas-tu Cobralinf? Arrêtez de me tirer dessus, c'est pas très gentil. Ah merde, ça c'est pas bon du tout. Et bim! Trop précieuse. Mon précieux. Bonjour. Hop là. Oh, ce coup de tatane que je viens de te mettre dans la tête, mon pote. T'as rien compris. C'est ça, c'est ça. Elle est le deuxième. Ça avance d'Estonie. Ça avance, ouais, ça avance. On est level 14 du coup. Pour l'instant, je fais que les missions secondaires là. Enfin, ce soir, c'est que les missions secondaires. Je vais aller filer un coup de main à Michael pour qu'il pec justement. Parce qu'il vient de revenir de vacances. Parce que ce petit bâtard est en vacances. Du coup, je vais aller lui filer un coup de main pour qu'il pec un peu. Putain, mais j'ai plus de vie moi. Arrêtez. J'ai un mur. Ah ouais, mais là il y a un mur avec oh putain, c'est la merde. Allez, ça dégage. Stream a pas voulu, ouais, c'est bizarre. C'est de la discrimination, ça, Arsène. Là, moi, je porterais plainte hein, si j'étais toi. Hein. J'avoue. Bah, merci en tout cas pour les follow sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Osiris, bonjour. Aïe. Aïe. Ça me pique les pieds. Comment je redescends d'ici? Moi je me laisse tomber et... Oui bah en fait je vais voir Mickaël, c'est plus simple. Hop là. Faut que tu m'invites toi Mickaël. Sinon ça va être... Ah non, tu pourras lancer tes quêtes. Hop là. Je crois que tu peux lancer tes quêtes même si t'es pas... Au pire, je te passerai chef. Au pire, je te passe chef. Tu me le dis. Ah, bah je suis décédé. I am decided. J'adore Halo, mais Destiny n'est jamais attiré. Faudrait peut-être que j'essaie un jour. Pareil, je suis grand fan de Master Chief. J'ai
kiffé Destiny à cause de ça aussi, parce que ça me faisait vraiment penser à Halo, même si t'as moins le côté justement Master Chief, et là t'as plus le côté RPG, on va dire, avec le perso, voilà, tout ça. Mais non, c'est cool. Après, celui-ci est quand même beaucoup mieux pour l'instant, je trouve. Niveau histoire et niveau jeu contenu, pour l'instant, je trouve beaucoup. Beaucoup. Putain, il pleut dehors. Oh, il va pas pleuvoir à l'intérieur, mais ça fait du bruit. Beaucoup mieux au niveau contenu, celui-ci pour l'instant. César, ouais. C'est quoi mon tatouage? Lequel? Lequel en fait? Parce que si tu veux que je te les montre tous, j'ai celui-ci. En fait, c'est marqué Nounours en gothique. Après, j'ai celui-ci, Get Rich or Die Trying, qui est une phrase de 50 Cent, mais que j'adore beaucoup. Après, j'ai celui-ci, c'est Anthony en arabe. Et j'ai celui-ci. Vous voyez pas celui-ci peut-être? Celui-ci, c'est mon signe astrologique chinois. Et j'ai un but, c'est me recouvrir les bras en fait. Mais ça vaut beaucoup de pognon et pour l'instant je ne le fais pas. Mais j'aimerais me recouvrir les bras à terme. Par contre, où est-ce que tu es, Michael? Merde. Je vais y arriver. Mais le problème, c'est que là, le tatoueur que j'avais. Ben, le tatoueur qui me tatouait, il a fait un AVC il y a quelques années. Du coup, ben, j'évite d'aller le voir maintenant. Il a un petit peu la tremblote, donc du coup, faut que je trouve un nouveau tatoueur. Putain, pourquoi je suis pas. T'es au social? Bah, attends, je vais te rejoindre, Mickaël. Parce que là, du coup, je vais te rejoindre sur la planète. Sur la planète Mars, là. Le domaine. Et du coup, après, je te mettrai chef et tu lanceras tes missions. Ils sont cool. Ouais, j'aime beaucoup. Mais je suis fan de tatouage, mais j'aimerais me remplir les bras. Alors, je l'ai pas fait au début parce que pour des raisons professionnelles, c'était pas. Enfin, à l'époque, c'était mal vu. Et là, j'aimerais le faire, mais là, c'est plutôt l'argent qui manque parce que rien que celui-ci, déjà. Tout le bras là, enfin tout le bras, juste le nounours en gothique sur le bras, ça m'a coûté 150 balles. Donc voilà, c'est vu que je vais me faire tout le bras entier, je me suis dit, ça va peut-être me coûter un peu plus cher. Et il me faut aussi les idées, il faut que je trouve les dessins que j'ai envie de mettre dessus, parce que j'en mettrai pas qu'un. Alors peut-être le faire en plusieurs fois. Et par contre, moi j'aime pas, c'est enfin, ça sera que du noir et blanc, j'aime pas trop les tatouages couleur. Du coup, faut que je trouve un beau dessin pour remplir le bras. Il faut faire la manchette, quoi, en gros. Et après, que je trouve un tatoueur, accessoirement. Et voilà. Mais moi, il y a un truc que je kifferais aussi, c'est alors me faire tatouer, mais dans d'autres pays. Genre, bah, le plus basique, mais le Miami Ink aux États-Unis. J'aimerais trop aller me faire tatouer là-bas, même si peut-être que ça fait touriste ou fan de télé-réalité américaine, mais juste voilà le Miami Ink ou alors même le celui de Los Angeles, ça me dérangerait pas. Et après me faire tatouer aussi à la manière néo-zélandaise, tout ça avec les Maoris, avec les petits picots, ou alors les Japonais aussi avec leurs baguettes, ça me ferait kiffer aussi. Je suis trop pas fier de mon corps pour me faire un tatouage. Un peu douillé. Alors, faut pas croire, c'est pas si douloureux que ça. Alors après, oui, ça fait mal. Faire le mort. Pas d'inquiétude. Personne ne veut vous. Oh putain, ça c'est pour moi ça. Personne ne veut vous voir ou ne. Ah non, ne peut vous voir. Merde, j'ai mal lu. Alors ça fait pas si mal que ça. Ça dépend les zones où tu le fais. Mais sache que là où ça fait le plus mal, c'est bah là où t'as moins de peau et moins de graisse, du coup aux articulations. Ça fait quand même assez mal. La nuque, parce que la nuque c'est rempli de nerfs et du coup tu sens passer. Ça fait extrêmement mal. Autour du téton aussi, ça fait hyper mal. Et voilà. Mais autrement, quand c'est sur la chair où t'as un peu de peau et de graisse, franchement c'est une aiguille, hein, c'est pas super mal. Après il y a des pommades aussi qui sont méta pour justement désensibiliser la zone, on va dire. Si t'es vraiment douillet.
Mais voilà. Mais autrement, ça n'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire, moi, hein, quand je me suis fait tatouer. Je m'attendais vraiment à pire. Tout le monde m'a dit, ouais, tu vas voir, ça fait hyper mal et tout. Et puis en fait, ouais, bof. C'est soutenable. Là où j'ai vraiment douillé, c'est vraiment la nuque. Le cou et la nuque, c'est juste horrible, quoi, par contre. Ça fait hyper mal. Ah, ça c'est cool, Aileen, ouais. En plus, toi qui crée tes dessins, c'est sympa. Ouais. Mais c'est vrai que ça coûte du pognon, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. En même temps, oui, normal. Du coup, non, c'est pas ce bouton-là. C'est pas celui-ci non plus. C'est pas celui-ci non plus. Ah, c'est ça? Vous me voyez pas? Nananer! Les modes vous permettent de modifier votre équipement. Appuyez sur. Pour voir le menu personnage, j'ai accédé à votre inventaire de mode. J'ai des modes. Bonjour. Ah, l'inventaire. Oh putain. J'ai débloqué un mode. J'arrive, Mickaël. Hein. Je suis désolé. Mode armure. Augmente le maniement de l'arme énergétique équipée. Augmente la résistance de cette armure, ce qui vous permet d'encaisser davantage de dégâts. Ok. Ah, et du coup. Ah oui, par contre. Oui, non, mais ça c'est bon, on l'a fait. Du coup, les modes sont installés directement à chaque fois ou comment que ça se dépasse? Oui, bah c'est bon, on l'a fait changer d'interaction, Jean-Michel, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Ah, et merde, on peut pas sauter. Ça devrait aller, la Grèce, je connais. Non, non, mais c'est vrai, hein, on appréhende beaucoup, mais c'est soutenable. Alors après, ouais, ça dépend à quel degré t'es vraiment douillé ou pas, mais si tu le fais pas sur des parties où il n'y a pas beaucoup de peau ou la nuque ou le téton, hein, si tu veux te faire tatouer le téton, on sait jamais. Voilà, sache que ça fait pas hyper mal. Et après, il y a des tatoueurs qui te proposent. Qui te propose de passer la crème pour justement avoir moins mal aussi. Miami Ink, c'est pas pour le tatouage. C'est pour Kate. Non, non. Non, 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 vraiment le tatouage. Mais non. Arrêtez. Tu peux pas me rejoindre. Ah, parce que t'as peut-être pas débloqué cette zone-là. Merde. Putain. T'es où, Jean-Michel? Où est-ce que t'es? T'es ici? Le problème, c'est que je te vois pas sur la map. T'es sur Terre ou t'es sur Titan, Michael? On est bien dans le clan, hein. On est bien dans les squads, non? Rejoins des squads. Rejoindre. Ah, bah voilà, bon, je t'ai rejoint, du coup. Pour Kenki, c'est... non. C'est vrai que Kate est sympathique. Non, non, mais vraiment, c'est juste que quand tu vois les émissions, enfin, j'en ai regardé quelques-unes, celle de Los Angeles ou celle de Miami, ils ont des putains de stars de tatoueurs, quoi, c'est juste affolant, quoi. C'est juste affolant. Mais je sais pas si sur une convention de tatoueurs. Il n'y aurait pas moyen justement de trouver, bah, je sais pas, des tatoueurs japonais qui tatouent à la manière japonaise ancestrale et tout, ou des tatoueurs néo-zélandais qui le font aussi à la truc, je sais pas. Ah, Mickaël! Comment vas-tu, Mickaël? Oh merde, cette tête, Mickaël. Qu'est-ce que t'as fait avec ta chevelure? Qu'est-ce que tu as fait avec ta chevelure? Bah, je te laisse lancer cette émission du coup, je te rejoins.
Ah, ton emote a été approuvé. Alors attends, parce que normalement je dois l'avoir du coup. Comment ça, je l'ai pas? Ah, mais je suis pas sur Twitch, c'est peut-être pour ça. J'ai pas la plateforme Twitch ouverte. Ah bah c'est cool si ton emote a été validé. À Bruxelles. Tu veux vraiment me faire venir en Belgique? Moi en Belgique? Il y a un Français qui a appris à tatouer la baguette par un tatoueur yakuza. Putain, la classe. Mais je me dis, tu vois, si tu veux te faire tatouer de manière ancestrale comme ça avec les Japonais, je pense que c'est mieux d'aller dans le pays et te faire tatouer par un tatoueur de là-bas, quoi. Je sais pas si ça aurait la même intensité. Je sais pas comment dire, mais je sais pas. Ça me ferait bizarre de me faire tatouer par un Français qui aurait appris la manière ancestrale japonaise, tu vois. On ira manger de la tarte au citron. Ah ouais? Bah écoute, je sais pas, Locas, pourquoi pas. Tatouons-le de ours, Mouglon! Comment vas-tu, Mouglon? Comment vas-tu? Mais oui, tâtons les nounours. Je te laisse lancer, Mickaël. Hein, c'est toi le chef. Tu lances tes missions et puis moi, je te file un coup de main. Je m'étouffe. T'as pas encore ta lumière, mais tu peux pas faire la mission du coup? Oui, vas-y, Arsène, vas-y, n'hésite pas. Un tatouage de Moussaka fait par un grec, ça tient. Si c'est une Moussaka à la tartiflette, Mouglon, je peux y réfléchir. Tu peux le mettre ici, tu seras pas Théo, t'inquiète. Ouais, je sais, ouais, je sais qu'ils ont un problème avec les gaijins là-bas, mais on sait jamais sur un malentendu. Tu dois faire la mission seule. Ah bah vas-y, t'as qu'à dire que je dois partir. Ok. Ok, je m'en vais. Bah tu me diras quand tu seras dispo du coup, Mickaël. Du coup, je relance vite fait l'émission Nessos. Alors je vais en prendre une qui est pas trop loin, voilà, comme ça on va se taper ici. Ah ouais, mais c'est dans 2 mois. Ah ouais, non mais attends, c'est dans 2 mois, je serai pas prêt, je serai carrément pas prêt. Mais par contre, l'année prochaine, pourquoi pas. Je vais garder le site. La Nouvelle-Zélande, je suis pas sûr que ce soit raciste, ils sont plutôt accueillants je crois là-bas. Tu dois aller dans la zone rouge. T'as tes règles, Mickaël? C'est ce que t'es en train de nous dire? C'était sale. Ah, c'était sale. Bah normalement tu suis ta mission principale, ouais. Normalement, pour récupérer ta lumière. Bonjour. Okay. Oh non, j'ai plus de fusil automatique. Tiens, ferme plein ta gueule. Toi aussi. Pas pris pour la Belgique ou pas pris pour le portefeuille? Non, je dirais plus le portefeuille que la Belgique. En 2 mois, ça va être chaud. Ça va être chaud d'organiser tout. Mais en 1 an et 2 mois, pourquoi pas? Non, en plus, il doit me rester quoi? Il doit me rester 400 balles de côté, je crois. Donc, je pense pas que j'irai loin.
Boum, allez, explose. Oh, un coffre. Les deux, à mon avis. Non, non, bah non, 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 la Belgique, bon, j'irai. Si j'y reste pas très longtemps, ça va. Je me ferai pas contaminer. Vous êtes pas contagieux, non? C'est bon. Marathon de dons pour... Ah non, 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 non. J'accepterai pas les dons pour l'IRL. Sérieusement, ça, par contre, non. Les dons, je les utilise pour la chaîne Twitch ou les jeux, mais... Je n'accepte pas de dons pour me payer à manger, pour faire mes courses ou trucs comme ça. Ça, c'est... non. Ça, par contre... hors de question. Oh là, bonjour. Vous êtes beaucoup ici. Et oh, tu vas te calmer, toi. T'as demandé quelque chose? Pourquoi je suis avec un flingue, moi? C'était pour rigoler. Ah, mais je sais bien, non, mais... je préviens, on sait jamais, parce que... On voit tellement ça, j'en ai vu hein, ce week-end, justement, en ce moment, on est en train de regarder justement les streamers de la communauté pour voir si on peut pas recruter des gens sympathiques, tu vois, sur la web TV. Et ce week-end, enfin rien que ce week-end, j'ai vu un mec sur son stream, faites des dons, c'est urgent quoi, enfin s'il te plaît quoi. Si t'as besoin d'argent, travaille. Demande pas aux gens de te payer tes courses ou un truc comme ça. Enfin je... J'aime pas ce genre de mec, moi, personnellement. J'aime pas ça. Si on te loge, tu dors, manges des vies belges pendant quelques jours et t'es cuit. Ah putain, ouais, non, mais c'est mort. Non, 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 je prends un hôtel. Vous êtes fous, quoi. C'est un peu, quoi. Vous allez me convertir. Vous allez me modifier pendant la nuit. Fais gaffe aux flamands si tu vas là-bas. Ah ouais, mais comment on les reconnaît, les flamands et les wallons d'ailleurs? Vous êtes différents? Comment que ça se passe? C'est marqué sur votre tête? Je suis flamand, je suis wallon? Je sais pas trop, moi je vous connais pas trop. Mais imagine les super fêtes quand... Ah mais par contre oui, ça c'est une des choses que je ferai quand j'arriverai en Belgique, c'est goûter vos frites. J'ai toujours voulu goûter vos frites et ça c'est clair que si je vais en Belgique au moins une fois, c'est pour ça aussi quoi. Nous allons vous faire des expériences. Ah. Merde. Pas de différence entre wallon et français. Merde. À part la langue, du coup. Du coup, je saurais que si vous me parlez pas français, vous êtes pas français, vous êtes pas wallon, c'est ça. C'est ça. Hein. Les wallons parlent français, et les flamands parlent schlebedesch néerlandais. Oh et oh Zalava, tu vas te calmer, hein, s'il te plaît. Sinon, c'est toi qui vas faire la mission tout à l'heure, tu vas voir. Oh les pilleurs. Oh c'est pas gentil. Oh putain je mets des têtes avec ce flingue, il est excellent. Ah je t'ai vu toi là-bas. Tiens, t'apprécies ou pas là? Ils parlent des flamands et apprennent les néerlandais. Ah.
reviens. Oh putain, bonjour monsieur. Tiens, cadeau. Oh, t'as un bouclier, t'es... Oh, c'est pas gentil ça. Ça, c'est vraiment pas gentil. Hein. Tiens, t'as cru quoi? Qu'est-ce que t'as cru? Que j'allais pas te faire la peau? Ah, pousse. Merci. Ils vont te transformer en gaufre liégeoise, fais gaffe. Ah non, j'aime pas... Alors c'est pas que j'aime pas la gaufre, mais j'aime pas la gaufre liégeoise parce qu'il y a de la chantilly et j'aime pas la chantilly. Enfin, sauf si je me trompe, mais une gaufre liégeoise, pour moi, c'est chantilly chocolat. Hein. On est d'accord. Et du coup, j'aime pas trop le chocolat et j'aime pas trop la chantilly. Donc du coup, c'est compliqué. Dès qu'ils sortent la cassonnette, tire-toi. Ah non, mais on m'a dit que fallait que je goûte la mitraillette en Belgique, donc j'irai manger une mitraillette, quoi. Oh putain, non, barrez-vous. Barrez-vous, vous explosez, vous, bande de bâtards. Allez, con. Testas. Ah, il y a Naimbot par contre. Assez violent sur le fusil d'éclaireur là. Je suis pas aussi bon viseur normalement. Donc je pense que t'as un putain Naimbot Testas de l'espace. Ok. T'as explosé ou pas? Ah non. La gaufre liégeoise, c'est juste du sucre. Ah, je croyais que c'était avec de la chantilly. Bon, bah, la rigueur. Ça passe. Ah, je t'ai vu. La gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles. La mitraillette plan nationale, bah oui. C'est pas la même ville, tu vas me dire, non? C'est ça? Tu l'achètes pas dans la même ville? Merde, non, c'est pas ça? Je sais pas. Mais ouais, la mitraillette Belgique, et après faudrait que j'aille au Canada pour goûter la poutine. Il paraît. À Skip, il paraît que la poutine, ça remplit bien le bide. Ah putain, il y en a encore partout là. Bonjour. Oh, attends, toi t'es pas gentil toi. Non, non, t'es un jaune toi. Alors j'ai rien contre les jaunes, mais toi t'es pas gentil. Laisse-moi tranquille. J'ai plus de vie. Oh putain, qu'est-ce que je viens foutre ici moi. Non, viens pas ici. Hop là. Construction portugaise. Qu'est-ce... Ah, par contre, je me suis bloqué. Très intéressant du coup. Elles ont pas le même nombre de trous et la gaufre de Bruxelles est rectangulaire. Ah ok, d'accord. Ah, carrément, ils font de la différence dans les gaufres avec le nombre de trous quoi. Ah alors par contre ça va être relou. Non, parce que moi, est-ce que je me protège, moi, hein? Est-ce que je me mets des boucliers avec mes potes et tout? Non, non. Alors, commencez pas. Tiens, merci d'être venu. À la prochaine. Ah. Oh non! Ah, t'as pas le droit! Oh, le bâtard! Ah, le bâtard! Non, me tue pas! Pff. Tellement de plats à goûter. Mais ouais, mais carrément. Pas assez de vie pour tout le monde. Faut tous les manger. Oh si ça va, si j'ai juste la mitraillette et la poutine, ça devrait aller, non?
Après, si c'est vrai qu'il faut que je prenne une spécialité de chaque pays et tous les. T'es sérieux? On recommence ici là? Non, dis-moi que le mur est ouvert. Ah non, le mur est ouvert. C'est vrai que là, j'en aurai pour un moment. Mais pareil, aller bouffer un bœuf de Kobe au Japon, ça peut être génial aussi. Ça peut être sympa. Ou des ramen. Aller bouffer des ramen au Japon, ça peut être cool aussi. Moi qui suis pas trop soupe, on pourrait quand même goûter les ramen. Non, non, mais toi t'es un vilain, toi, dégage. Laisse-moi tranquille. J'ai d'abord tué tes collègues, après je m'occuperai de toi. Waouh, en plus il s'était fait super vite, quoi. C'est pas juste. C'est pas de la juste, ça, monsieur. Oh, je t'ai loupé, excuse-moi. Non, pas avec ça. Dégage! Non, laisse-moi tranquille. Tiens, prends une greu. Oh, il les a protégés, enfoiré. Ouais. Ah, merde, attends, j'ai plus de munitions, pousse. Tiens, je te mets les tatanes, moi. T'as pas peur de toi, moi. Tiens. Aïe, oui. Oh putain, il est à côté de moi. Oh, je t'ai loupé. Ça, c'est pas juste. Bouge pas. Putain, par contre, il pourrait donner des munitions lourdes, quoi. Mais arrête La terre. Oh, j'ai cru qu'il allait me faire tomber la Zentru. C'est surtout ça qui m'inquiète, il y a un mec qui a compté les trous. Ah, tu sais, hein, y en a qui se font chier des fois. Ils comptent les trous des gaufres. Bonjour, ça va? Je lui mets une petite tarte et puis je m'en vais. Cordialement, la direction. Ah, mais t'es pas là. Ah, si, t'es là. T'étais glitché dans le mur, pote. Eh oh, tu triches. Est-ce que je glitch, moi? J'aime pas les glitchers, moi, monsieur. Oh là 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 là, cette tarte qui me met, lui aussi. Ah, ça fait plus de dégâts, t'aimes pas trop, hein. Ah, t'apprécies pas trop, ça. Ah, t'apprécies pas trop. Je le vois dans tes yeux. Ah ouais, tu vois. Ouais, barre-toi, toi. Que je te revois pas non plus. Ok. He's no good. Ouh. Merci beaucoup, gentil spectre. Capitaine, vous vous en faites. Putain. Oh non, Arcel, pas cette blague. Mais si, il était tout vert. Il y a des gens qui ont trop de temps à tuer dans leur vie, c'est ça. Le mec, il se faisait chier un samedi. Il s'est dit, allez, temps. J'ai compté les trous dans les gaufres. Compteur de trous de gaufres. J'avoue. T'as ça dans ton CV en Belgique, t'es le roi. T'es le roi babouin. Le roi babouin 3. Parce que le 2 est décédé, non? Le pauvre. Eline avait dit que j'ai pas le droit de le traiter de babouin. T'as pas le droit. Bah si, c'est rigolo.
Ah, un pistolet mitrailleur. Ça, ça fait plaisir. Zut avec ton maman. Vous l'avez pas comme ça, vous? Je croyais, moi. Impulsion. Je suis pas fan non plus d'impulsion. ...155, 157. C'est le plus gentil roi. Bah ouais, moi je fais pas la différence, ça n'a pas été payé mon roi, donc du coup je le connais pas. Mais je veux bien te croire. Ah merde, putain, c'est pas ici qu'il faut que je joue. Oh putain, mais quel con. 2 points dans le vent, 2. Ouais, mais oui, c'est celui-là qu'il faut que je joue, putain. Du coup, alors, ça recharge mon arme, ça c'est plutôt sympa, et ça améliore la stabilité, donc ça c'est cool. Dès que je mets un coup de tatane, ça recharge mes points de vie, impeccable. Ah, ça c'est cool, ce coin, d'accord. Et ça c'est cool aussi, niveau 15 par contre. Ok, très bien. C'est le plus anti des rois. C'est comment il s'appelle votre roi maintenant? Du coup, c'est son fils qui a repris ou comment ça se passe? Du coup, Michael, t'as fini ou t'es encore bloqué là? Philippe, le roi Philippe? Ok. Et du coup, c'est comme la royauté française, quoi. C'était de sa famille qui a pris la succession ou c'en a un autre qui a pris le trône. Bon, il m'en reste que deux. Hein. TP ici. Ouh putain, de la marque Aque. Aque. C'est l'héritier, c'est toujours la même famille. Ok, d'accord. La famille de Saxe-Cobourg-Gotha. C'est les Allemands à la base. Ah ah. Donc ça font les moyens de vous faire parler. Pas de soucis, Cobra 9. J'ai des trous de gruyère à raconter. Mon dieu, t'es suisse, Cobra 9. Oh putain de merde. Bonne nuit à toi en tout cas, merci d'être passé, à la prochaine. Oh la suisserie, putain. Viens compter les trous de l'emmental français, ça ira plus vite. Oh mon dieu, sacrilège. Un suisse manger de l'emmental. Ça me ferait tellement plaisir. Non, par contre, je vous respecte parce que en fait, j'ai appris un truc, je ne le savais absolument pas. Je pensais que, franchement que c'était français à la base. Mais en Suisse, vous avez quand même inventé la tartiflette. La raclette, excusez-moi. Et pour ça, je vous respecte. Mais c'est tout, hein. Ça s'arrête ici. Après, faut pas déconner non plus. Faut pas non plus déconner. Hein. Balise. Oh. Ok. Cool. Ah, me dis pas qu'il faut que je grimpe. J'en ai bien l'impression. Comment tu veux que je grimpe, sérieusement? Je vais me casser les genoux. Bah oui.
un moment donné. Ah, par contre, par là, peut-être. Ah, ouais, alors attends. Je vais y arriver à un moment donné. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ceci est réalisé par des professionnels de la cascade. À un moment donné, tout va se goupiller dans le bon sens. Vous inquiétez pas. Voilà, impeccable. C'est quoi la hiérarchie entre Breton et Alsacien, Belge et Suisse? Du pire au meilleur. Alors les pires, c'est les Bretons. Très clairement, hein, les pires, c'est les Bretons. Ensuite, je sais pas, parce qu'en fait, les trois derniers, vous êtes au même piédestal, en fait. Puis enfin, des pieds d'égalité, pas le piédestal du tout. Vous êtes au même pied d'égalité. Après, je dirais les Alsaciens. Non, peut-être les Alsaciens devant, parce qu'ils sont allemands, du coup. Ouais, donc peut-être les Alsaciens devant les Belges et les Suisses à égalité. Ne faites pas ça chez vous. Non, non, surtout pas. Ceci est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Oh putain, t'es qui, toi? Oh putain, t'es pas content. Pousse! Et le gars, il a absorbé ma grenade? Eh oh! Tu te prends pour qui, sérieusement? Non mais sérieux? Absorbe-la, cette grenade-là, non mais oh! Mais le mec, quoi. Le gars, il a absorbé ma gros. Je me fais chier lui balancer une grenade et il l'absorbe, le gars. Il s'est cru où, lui? Chez Disney ou quoi? Oui, les Bretons, c'est les pires. Oh, les Bretons, ils font chier. Ils sont chiants. Ils sont chiants. Il pleut tout le temps. Non, non, il pleut pas, il pleut que sur les cons. Bah ouais, la Bretagne, c'est rempli de cons, connard. Non, mais on les aime bien. Mais chez eux. Toujours mieux. Ouais, c'est ça. Il a mangé ma grue en mode... m'en bat les steaks, quoi. Aïe. Il est où, le truc? Ah, il est là. Là, bonjour. Oh, putain, un coffre. Trop bien. Merci. Déverrouiller les noyaux des Nessos. Fait. Y avait colonel. Y avait des suites. Putain, mais vivement que j'ai une voiture là parce que. Pff, on se traîne à pied. Oh, vite, y a un événement. Peut-être que si on arrive assez vite. On va pouvoir participer. Parce que comme l'a pas dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Hein? On vous apprend de la merde à l'école. Parce que Pierre de Coubertin n'a jamais dit ça. Pierre de Coubertin, c'était un enculé. Qui lui était là pour gagner. Qu'est-ce que je dois faire? Déverrouiller le noyau de Nessos. Ça doit être ça, non? Non, c'est par là-bas apparemment. Où est-ce que je dois aller? Oh putain, ça doit être par là. Il y a du monde. Nope. Le noyau est ouvert. Tenez-vous prêt, Vex. Je révise mes meilleures imitations de Vex. Ok. T'es devenu mexicain? Fais. Oh, mais moi, mes vieux jours, j'irai les passer soit au Mexique, soit en Argentine. J'ai trop envie d'aller vivre là-bas. Mais alors, carrément trop. Ah, fait tout le temps qu'il faut passer.
Ça serait un réel kiff, sérieusement, c'est aller vivre au Mexique ou en Argentine, ça me ferait trop plaisir. YOLO! Ouais, j'ai réussi. Bonjour. Non, c'est pas ça. En Argentine, comme les navires! C'est ça. Et il voulait pas que les femmes participent au JO non plus? Qui? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Pardon. Aïe, pousse! Je perds de la vie. Ah merde. Oh là là! Ouais, alors 30 secondes. Remarque, on est plein, ça c'est cool par contre, c'est que les missions secondaires c'est pareil, tu peux les faire à plusieurs et ça c'est bien sympa. Même avec des gens que tu connais pas. Et ça c'est bien cool. Ah, il est immunisé, le bâtard. Ah putain, j'ai pas rechargé. Ah, j'ai plus de balles. Hop là, c'est le moule. Merde, j'ai tiré sur un et tout. Ah, il pousse. Oh, les bêtes. Ah, oui, d'accord. Coubertin. Ah, Coubertin, oui. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que tu vois, on t'apprend des trucs à l'école, c'est de la merde. Parce que du coup, on te dit, ouais, Pierre de Coubertin, c'est un gentil monsieur. Mais en fait, pas du tout. Pierre de Coubertin, c'est un bâtard. Voilà. Allez à l'école, les enfants. Ça vous servira plus tard. Oh putain. Je prends super cher là. Arrêtez. Ah, bonjour. Ah, la blague. On me téléporte dans le vide. Ah bah c'est magnifique ça, bonne ambiance. Où est le grand méchant? Remarque, cette mission tout seul, c'est un peu le bordel, non? Ouais, non, mais attends, ça, je t'ai vu, toi. Tiens, tu vas l'absorber celle-ci aussi? Voilà, dans ton cul. Merci. Oh, mais attends, mais c'est quoi tous ces gens-là? Calmez-vous! Tout est sexiste? Non, je suis pas le sexiste. Allez! Voilà, merci. Ah oui! C'est bon. Le saviez-vous? Ah, bah j'ai plus de balles, moi. Mais pourquoi il met ça
Perso, je n'oublierai jamais rien quand je donne des cours. Ah, ça c'est bien, Arsfeld. Parce que moi, mon prof, il m'a jamais dit que Pierre de Coubertin, c'est un enculé. Oh. Je l'ai appris bien après. Ah, il y a un deuxième coffre que j'ai pas ouvert ici. Non, il a disparu devant mes yeux. C'est inadmettable. Rendez-moi mes loot. Stabilisation en cours. Bon. Ah, mais c'était l'événement, ça. C'était pas... D'accord. Ah ouais, d'accord. C'était pas la quête, en fait. C'était l'événement de groupe. C'est pour ça que c'était la merde. Ok. C'est pour ça qu'il y avait des niveaux 20, tout ça, tout ça. Mais par contre, j'ai toujours pas de balles. Ah ouais, ça je savais pas par contre, Eileen, tu vois. Tu m'apprends. Tu m'apprends quelque chose. Quand même, une prof de français belge qui m'apprend quelque chose en français, quoi. Bon Dieu. Sympa ce petit fusion impulsion. J'aimerais bien garder jusqu'à la fin. Le petit à queue. Bon, pas du tout stable, mais... Alors, Victor Hugo, sûrement, parce que alors... je dis, moi, le français, déjà, c'était pas ma tasse de thé, mais alors, la littérature française... Rien que déjà lire Fournier là avec c'était quoi le titre de son livre, je sais plus là. Ça m'avait saoulé. Je sais plus comment il s'appelle son livre à Fournier. Un livre qu'on t'obligeait à lire en seconde, ça putain. Ou alors La Princesse de Clèves aussi, je crois. Je me souviens de ça. C'est un désastre. Les Vex nous ont envoyé un esprit. Fail safe. Fail safe. On a pire, on doit apprendre la littérature française et la littérature... Oh putain, ouais, il est bien. Ah lui, merde. Je compatis. Je compatis. Oh putain, mais il y a encore un gros là-bas. Vous êtes sérieux? Oh, ils l'ont tué. Impeccable. Trop bien. Salut! Mais là j'avoue, putain, littérature française, en plus la belge. Oh! Aidez-moi à me débarrasser des interférences des déchirures et je pourrai déterminer sa position exacte. Ouais, c'est parti. Ouais, par contre, il va falloir tâcher la stabilité, mon pote. Parce que de loin, t'es horrible. Peut-être pas rester à côté quand ça explose du coup. Boum! Arrête, je tirais dessus. Ah, j'ai plus de balles. Pousse! Ah, ça c'est cool. Faut pas que j'oublie, putain. Coup de tatane quand j'ai plus de vie. Je l'ai. Ils l'ont enfermé dans une structure.
supprimer les Vex et nous pourrons la libérer. Oh, tu fais mal toi, arrête. Loupé. Pas loupé. Oh, putain, petit moment culture. Victor Hugo est l'un des premiers poètes à avoir écrit le désir féminin qui, à son époque, était considéré comme inexistant. L'homme étant un acteur du désir et la femme le subit. Ah, mais ouais, mais c'est vrai que la position de la femme dans cette... j'avoue. En littérature belge, on a des trucs chelous. La princesse de Clèves, c'est rien à côté. Ah merde. Putain, déjà la princesse de Clèves, ça m'a saoulé. Alors j'imagine même pas si c'est pire que ça, quoi. Madame de Bovary, je l'ai jamais lu, tu vois, par contre, toi, j'ai jamais été obligé. Et brodé pour mon ex. Ah les bâtards, ils passent à travers, putain. C'est pas drôle. Alors attends. Oh, oh bah c'était tout con. Oh bah merde. C'était tout con, c'est magique. Fallait juste lui péter sa gueule. Libéré. Les deux tonnes de dents qui ratent. Oh putain. Métal l'a rentré à la fac, tu m'étonnes, putain. En même temps, enfin tu l'as cherché, hein, fac de lettres, voilà quoi. T'étais prévenu, hein, à un moment donné, t'as signé, c'est pour en chier. Hein. J'ai désolé. Hein. Fallait faire une fac scientifique hein, aussi, non mais oh. Pourquoi crois-tu que je suis parti en comptabilité, moi? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu croyais ça? Parce qu'au moins, on me demandait pas de lire. On me demandait de compter. Et ça, compter, je sais faire. Merde! Ah putain, je peux pas y retourner. Merde. Chier. Je pense que Mickaël, si t'es prêt, tu me dis. Je sais pas ce que tu fais, mais si tu es disponible, dis-le moi, hein, je te rejoins. Parce que là, il me reste plus qu'une mission. Une fac artistique, vraiment, on l'a dit, du coup, ça m'a. 1-8-67-453, c'est bon. Ouais, c'est dommage. C'est con. C'est con, c'est con. Après, moi j'ai un pote hein, qui a fait une fac artistique, mais il a fait qu'un an, quoi. Il a fait les beaux-arts, mais il a fait qu'un an. Il a pas supporté. Putain, mais il faut que j'aille par où, moi. Je vais tomber dans le vide, hein. Non mais la comptabilité moi j'adorais ça. Ça me plaisait beaucoup sauf que à un moment donné on m'a signalé que être expert comptable c'était 7 ans d'études. Donc j'ai dit ah bah là à partir de ce moment là non allez vous faire foutre. C'est beaucoup trop long donc j'arrête de compter. Au revoir. Faut pas décoller non plus. Hein. Bonjour. Bah fallait pas spawn ici mon gars. Je suis désolé à ce moment là mais... Tout ça pour finir sur Twitch mais ouais. Voilà la décadence. Voilà où ça vous mène les enfants de pas aller à l'école. Vous finissez sur Twitch. Non mais faut que je m'y remette là. Faut que je retrouve du taf parce que ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Hey vous deux, les éclaireurs captent un signal cabale bizarre venant d'un vaisseau qui
Avec ton diplôme de prof de sciences humaines. Mais ouais, mais c'est cool. Mais moi, ça, par contre, toi, ça, j'aurais pas pu, moi. Ou alors, si j'avais été prof, si j'avais dû être prof, j'aurais choisi soit un prof de lycée, enfin une matière de lycée ou une matière d'université. Je j'aurais pas supporté un collège ou une école primaire, tu vois. Ça, enfin, déjà, bon. Putain, c'est un gros trou, ça. Ah non, c'est de l'eau. Ah ouais, d'accord. Ouais, les enfants, moi, je les supporte pas. Ça fait trop de bruit. Ça fait beaucoup trop de bruit. Putain, mais comment tu veux que j'aille là-bas, moi, par contre? Entrer dans les ruines Vex, je veux bien, moi, à un moment donné, mais... Ah, putain, fallait que je continue là-bas. Merde, merde. Il te faut du taf pour pouvoir venir en Belgique. Ouais. C'est ça. Non mais là j'avais l'excuse tu vois de m'être fait opérer et tout ça donc du coup tu vois j'étais tranquille quoi mais là au bout de 6 mois j'ai plus d'excuses quoi donc faut que je retrouve du boulot maintenant. Ce serait pas mal. Ça serait sympa non? Ah ouais du coup ouais, c'est ça ok. Mais à un moment donné, enfin, ça se passe comment chez vous là pour se balader là? Parce que c'est la merde, non, un petit peu. J'ai l'impression. Voilà, ouais, non mais oh. C'est compliqué de se promener chez vous là. T'es qui toi? Ah toi je vais te laisser, toi. Laisser. Oh non, pas le hockey maintenant. Putain mais ils sont beaucoup là par contre. C'est le reste. Ah ouais, moi non. Je supporte pas les enfants. Je supporte déjà ceux de ma soeur. Je fais de gros efforts. Ah ouais, j'ai une aversion pour les enfants. C'est impressionnant. Hein. Bonjour. Oh, t'as un bouclier, t'as pas le droit. Oh là 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 là. Excellent! Pardon. Putain, mais j'ai le hockey, ça m'énerve. Excellent ce qu'ils ont fait avec toi. Trop cool. Ah, ils ont vraiment amélioré les mobs, c'est vraiment sympa. Bonjour. C'est Yann Michel. Ah, c'est Juan Miguel. Excusez-moi. Tu testes le PVP? Ah ouais, d'accord. Non, t'as vraiment pas envie de jouer avec moi, en fait. Le PVP, c'est le mal. Faut tomber dedans ou pas? Ok, je me lance. Wow. Va tomber dans l'eau. Waouh, que c'est joli. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Waouh. À un moment donné, le pistolet, faut arrêter de. J'avais cru voir un rominé, mais non. Ah si. Cadeau. Ah bonjour, excusez-moi, je vous avais pas vu. Désolé. Oh, putain mais c'est délire.
Ok, calmez-vous, c'est bon, on a compris, vous êtes pas content, moi non plus. Ah, bonjour. Vous allez bien? Merci, bonjour, au revoir. J'ai pris de la hauteur. Comment allez-vous? Bon, stabilité, nul sur 20. Impeccable. C'est que tu les manges les enfants, à part tes futurs enfants peut-être. Ah mais moi j'en veux pas. Moi c'est clair et net, hein. Je l'ai toujours dit, j'étais franc sur ce jeu. Moi, vivant, jamais d'enfant. Non, non, non. Et si j'en ai, c'est que je ne le sais pas. On me l'a pas dit. On m'a pas prévenu. Oh non! Pourquoi elle va se coller bien ici, quoi? Et lui, il va se cacher pour refaire son bouclier, là, ce petit bâtard. Tiens, t'es mort. Mais, par contre, c'est... c'était une blague, ça. Enfin, c'était une blague. Ma cousine, ma sœur, tout ça, quand ses enfants étaient petits... Elle leur disait, fais attention, si t'es méchant, tonton Tony va te manger. Et les gamins, ils avaient tous peur. C'était rigolo. Les jeux semblent essayer de tirer des plombs de Nessos à l'aide des déchirures. Des données atmosphériques, géologiques et tectoniques. Non, mais la tectonique, ça n'existe plus, monsieur. Alors, on arrête d'en parler, s'il vous plaît. On laisse ce truc là où c'est et on n'en parle plus. La tectonique, bordel de merde. Ah, il y en a un ici. C'est ça. C'est là-bas, le tonton ogre, c'est ça. Ouais, c'est surtout que je fais 1m80 pour un gros gabarit, donc... ça faisait peur, hein, quand je me levais et que j'allais les voir, je faisais... Oh! Ils avaient peur, les gamins. Un jour, il y a ma cousine qui est venue avec ses gamins. Et j'étais pas dans la même pièce qu'eux. Et je les entendais, ils foutaient le bordel. Ils étaient en train de rigoler. Puis sa mère, leur mère est arrivée, elle les a engueulés. Elle dit, faites attention parce que si vous continuez, j'appelle tonton Tony, il va vous manger. Et à ce moment-là, il rigolait, je suis rentré dans la pièce, j'ai fait « Oh !» Ils sont tous calmés, ils m'ont regardé, pouf, il n'y a plus rien qui bougeait. J'étais mort de rire. Bon, je les ai peut-être traumatisés, ils avaient 5 ans. Mais c'était rigolo. Moi, j'ai apprécié. Ils avaient raison d'avoir peur, mais oui. Où sont les derniers? Je les vois pas. Ah, c'est par là-bas. Qu'est-ce que tu vous foutais? Putain, mais faut ressortir. Oh non, mais me dites pas qu'il va falloir que je refasse tout le tour. Vous êtes sérieux, Jean-Michel, là?
Il y a moyen de traverser là? Ouais, je vais tenter, moi je retape pas tout le tour. Hein. Bonjour. Non, c'est bon, je vous ai pas vu. Allez, salut. Oh bah tiens, un coffre. La 7ème compagnie. Voilà, ça passera jamais. Ça passera jamais cette connerie. Je vais mourir. C'est parti. Oh non, ça passe. Un petit coup de jus de temps en temps. Ça remet les idées en place. C'est bon. Par contre, faut que je fasse gaffe à l'heure, 23h30 déjà. Pas trop que je mange aille. Hop là. M'emmerder à résister à mes grenades à chaque fois là. Ouais, pop, pop, pop. Calmez-vous. J'ai mis un mur. Voilà, c'est ça, ouais. Merde. Oh, calme-toi, toi. Oh mon vaisseau, oh, oh putain, je me tire dessus. Pas un tir. Tiens, cadeau. Oh le bâtard. Oh, on va se calmer. Oh là là là, qui sont relous. Voilà, t'es laissé, t'es content? J'y suis. C'est encore plus étrange. Ils ont analysé le sol du planétoïde. Ah, bonjour. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je suis coincé, excusez-moi. Bon travail. Putain, c'était dans quel film ça? Bon travail. C'était avec des putains de droïdes. Ah, ça, tu l'as déjà dit ça par contre, Jean-Michel. Faut arrêter à un moment donné, faut pas se répéter. Bon travail. Putain, c'est dans quel film ça? Je me souviens plus. Ah, bonjour. Ah oui, alors apparemment, si ça bug, va falloir se calmer tout de suite. Hein. Parce que je vais pas faire cette mission en boucle. Ah non, il faut les défendre. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris ça. Ok, donc faut que je bute tous les... D'accord, ok, pas de problème. J'ai plus de munitions par contre. Tiens, cadeau.
Très belle figure artistique. T'as plus de tête. Honnêtement, c'est un concept. Ah putain, mais je... Arrête de me tirer dessus, toi. Je vois le film, enfin je vois le film. Je vois la phrase dans un film. Mais j'arrive pas à remettre la main dessus, quoi. C'est un film où le héros a pas de sentiment, c'est un droïde. Et il veut faire réel, mais je sais plus... Je sais plus du tout. Ah, Hancock. Voilà, putain, je vais y arriver. Hancock avec Will Smith. Quand il essaie de se faire une réputation... avec Ewan McGregor. Et qui dit aux flics, bon travail. Putain, mais il n'y a pas de munitions, là. Donnez-moi des munes, donnez-moi des munes. Oh, putain, il y en a. C'est pas un robot, oui. Ah oui, c'est pas un robot, ouais. C'est pas un robot, c'est un super-héros. C'est... Il est vrai. Il est vrai, mais je voyais un robot, tu vois, je voyais un hybride et tout, enfin, voilà, un droïde. Mais pas du tout, en fait. Il a absorbé ma grue, lui aussi, mais ils sont sérieux dans ce jeu. Va falloir arrêter à un moment donné. Kade, arrête. Avant que je manque de mémoire. Ah, Alzheimer. Putain, vous êtes beaucoup là encore. Ouais, je sais que passer, hein. Continuez à vous être entués, y a pas de problème. Moi, je me tire. Tous à la patate. Allez. Distribution de tartines. Qui l'en veut? Ah, très bien. Le décor me veut pas. Transmettre les données. C'est parti. Calus Cepus. Wow, vous avez dit empereur? Genre un empereur cabal? Ok, l'opulence attendra. Il me faut Ikora. Hé hey, Ikora! Bon travail, les amis! Bon travail. Ah, il est parti en vitesse. Je me demande de quoi il s'agissait. Bon travail. Du coup, ça s'en fout. Putain, mais le hockey, c'est chiant. Alors, 133, 155, 166. Donc ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ah merde, c'était un lance-croquette. Ah merde. Putain, mais du verre quoi. Ils sont sérieux. Impeccable. Par contre, ouais, j'ai toutes ces conneries là. Faut que j'aille monter les réputations. On a un truc là? Oh, t'es dégueulasse. Ah, mais...
mais d'accord, ça se met là, mais du coup. Ok, pour les utiliser, après je viens ici et je fais détail. Et je peux mettre un mode et je peux mettre un. Ah, d'accord. Le mec vient de comprendre. Le gars vient de comprendre comment ça fonctionne le jeu. D'accord. Tu es adopté. Tu es breton? Non! Je suis pas breton. Merci petit Stream Chivi pour le host. Bienvenue à vous. Malheureusement, on va pas tarder à s'arrêter. Pour te faire peur, l'ours, en fait, tu es belge. Non! Tu es breton? Non! Tu es adopté. Non, ça par contre, je l'ai fait à mon petit frère, ça. Ça, je l'ai fait croire à mon petit frère quand il était petit. Avec ma soeur, on a fait les bâtards. Je sais plus quel est, il devait avoir entre, je sais pas, 8-10 ans. Et on lui a fait croire qu'il avait été adopté, que mes parents l'avaient trouvé dans une poubelle. Il faisait le malin et du coup il faisait moins le malin après. Il a été demandé à mes parents le soir, quand ils sont rentrés du travail. C'est vrai que vous m'avez trouvé dans une poubelle. Putain, qu'est-ce qu'on était con. Le pauvre, mais non. Il faisait trop le malin, bah on l'a calmé. Voilà, à un moment donné. Faut arrêter les conneries aussi. Bon bah du coup, it's over. On va juste repasser vite fait pour. Tiens, j'ai débloqué ça aussi, ça serait pas mal. Fracas des assaillants, ouais. J'aimerais bien récupérer la doctrine de feu, par contre, ça serait sympa de me la donner. Du coup, maintenant, vu que j'ai fini les assaillants aussi, on va passer en abyssal par contre. Parce que je préfère abyssal qu'assaillant. Je suis à 4000 sur 5000 par contre. On va aller monter les réputations vite fait. Du coup, la réputation, c'est ici. Trouvé dans une poubelle en plus. Bah oui. Bah attends, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant faire ça bien. En plus, mon frangin, quand il était petit, c'était le plus grand bobarologue du monde, quoi. Qu'est-ce qu'il pouvait raconter comme bobard, cet enfoiré? Oh, mon Dieu, quoi. Ok, allez, c'est parti. Oh, on va passer à un niveau. Boum! Allez. Oh, niveau 20 requis, vous êtes sérieux? Nécessite le niveau 15, mais je suis niveau 15! Pourquoi atteigner le niveau 20 pour récupérer ses récompenses? C'est quoi ça? C'est dégueulasse ce que vous faites! C'est dégueulasse! Je ne reviendrai plus jamais! Bon, on va aller se faire peur là-bas aussi, du coup. Et depuis, il est traumatisé à vie. Oh non. Non. Non, non. Je l'ai pas assez tapé pour ça. Ce qu'elle peut être sur ton niveau. De quoi on parlait? De quoi le scale du niveau?
Ah, les objets avec les réputations? Je sais pas. Je pense pas. Parce qu'il demande d'être niveau 20, donc du coup il demande d'être niveau max, donc du coup à mon avis c'est que des niveaux... Des niveaux max du coup. Mais du coup c'est con qu'on puisse te faire languir comme ça. Avant votre arrivée, il n'aurait suffi que d'un rituel de la ruche pour que ce lieu disparaisse dans l'océan. Et maintenant regardez-les, ils préfèrent se cacher sous leur... Ah, par contre celui-ci on le fera pas. Vous savez, les escouades me manquent. Ouais, celui-ci on le fera pas. Il faudra qu'on continue un petit peu l'émission ici. Ouais, je pense que level 20, j'aurai des niveaux 20. Parce que s'il me donne du niveau 15, ça serait dégueulasse. Je pense que là, ouais, c'était scalé par rapport à mon niveau. Merde. Je me suis trompé. Non plus. Ici, normalement. Va falloir que j'aille sur Titan pour faire soit des missions journal s'il en reste, si ça se reset, soit des événements publics. Ou alors récolter des trucs qui vont me faire payer la répute quoi. Technop qui te surveille? Non, elle est toujours connectée sur la console mais elle joue pas là. Je crois pas. Je crois pas hein. Ouais, tu vois, elle est connectée, mais elle joue pas. Elle doit être en train de... Non, c'est pas ça que je voulais. Elle doit être en train de regarder du GTA Online. Ah, mais je suis rendu. Enfin, du GTA RP, pas du GTA Online. Elle est mordue du serveur Felify, je sais pas si vous connaissez, du streamer Kamak. Elle suit le RP de ce serveur. Mais demain, on ira lui chatouiller les omoplates. Avec ma belle hache. J'ai une revanche à prendre. J'ai pris un 2-0 la semaine dernière. Ça va pas du tout. On regarde que les gens qu'on aime bien. Mais il est cool, Kavak j'adore, c'est un des gros streamers que j'aime beaucoup et c'est pratiquement le seul que je suis d'ailleurs sur Twitch. Parce que je kiffe le RP et je kiffe surtout son RP aussi quoi. Il a toujours fait un super RP, que ce soit sur Arma 3 ou sur maintenant sur GTA 5. Je kiffe bien ce qu'il fait. Bon bah du coup on est bon. Donc il faut que je monte ma réputation ici et sur Titan. Impeccable. 79 000 lumens. On a le clan. Alors je sais pas pourquoi ça charge tout le temps. Invitation, option. Il n'y a pas d'option. Ok. Du coup, Michael, t'as un clan ou pas? Parce que du coup, je peux t'inviter. Non, pas inspecté. Oh, on s'en fout. Detail. Ah bah oui, mais t'es dans mon clan. Mais pourquoi t'es pas... Bah oui, il est déjà dans mon clan. Mais pourquoi ils mettent que je suis tout seul dans mon clan? C'est pas gentil. Hein. Je sais pas, c'est pas grave. J'aimerais la VRP, mais je mettrais bien sûr Oblivion Skyrim. Ouais, alors ouais, c'est autre chose. Le RP solo sur des jeux solo comme Skyrim, Oblivion, tout ça, c'est intéressant aussi, hein, mais après le RP multi, c'est autre chose. Mais par contre, faut que ça soit bien fait, par contre, le RP multi. C'est ça que... Parce que autant le RP solo, c'est toi qui fais ton propre RP, et du coup, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas en faire. Le RP multi, c'est autre chose, c'est que t'as plein de gens à côté qui vont modifier ton RP aussi, tu vois. Et du coup, c'est plus compliqué et il faut vraiment que ce soit bien encadré, bien défini et que ce soit propre par rapport à tous les participants, quoi. Mais justement, Kamak, je le suis depuis très longtemps pour ça. C'est que déjà sur Arma 3, il faisait des putains de RP de ouf. Et il l'a continué après sur GTA et c'est vraiment oufissime ce qu'ils font, quoi. C'est pour ça que je kiffe. Bon, bah du coup, on va se barrer.
vais retourner sur le domaine. Va sur le domaine. T'es niveau 5, Mickaël, GG. GG. Mais ça monte vite le niveau. Regarde, je suis monté niveau 15 en 3 fois 3 heures, en 9 heures du coup. Et encore, j'ai un petit peu glandé, on va dire. Parce que si j'avais fait les missions principales et juste les missions principales, je pense que je serais monté plus vite. Les niveaux vont vite. Hein. Mon arcaniste est déjà niveau 12. Hein. Mais pareil, j'ai pas joué beaucoup que ça en dehors des streams, quoi. Youhou. Ah, la poste, bonjour. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh! Ouais, mais Nezos, on est full, on a plus besoin de des jetons de Nezos. Ah, peut-être... Méchant colis, mais arrête. T'es encore... Mais donne-moi tout, pourquoi tu me donnes pas... Mais pourquoi tu me donnes... Ah, c'est parce que je suis à côté de toi? Ah ouais, d'accord. Ah bah voilà, comme ça on a du bleu. Impeccable. Par contre, on n'a pas de coque de spec, c'est chaud. Pourquoi ils mettent un membre, zéro en attente? Il est bugué le truc encore ici? On peut pas modifier cet étendard. Il va falloir que j'aille sur le site parce qu'à mon avis, les modifications sont sur le site. On a un nouveau truc. Ouais. Ça, c'est... Ah d'accord, ça c'est le... Ok. Bah, je préfère l'abyssal du coup pour l'instant. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve demain pour... Alors je sais pas si j'aurai le temps de streamer dans l'après-midi sur la web TV, je crois qu'il n'y a personne dans l'après-midi. Du coup, si je suis motivé, je prendrai peut-être un créneau sur la web TV, je sais pas sûr. Autrement, demain 21h minuit comme d'habitude, pour du Friday, on ira essayer de tuer Technop. Pour du vendredi 13, en plus on a un nouveau contenu qui devrait arriver, alors je sais pas pour quand, mais on aura une nouvelle map et un nouveau Jason. Donc ça va être cool, et ça sera totalement gratuit, donc ce que j'apprécie. Et puis bah là on va aller sur Marooners avec justement Arsfael, Aileen et Kaori. On va aller tester ça, on va aller s'entretuer aussi. Ça va être rigolo. Voilà voilà. Merci à tous en tout cas, bonne nuit, bon courage et à tout à l'heure. Enfin à demain. Salut.